Attends. Aïe. Chut. Attends, j'enlève toutes les feuilles que j'ai. Ta mise au point, je la prends, je la mets dans le cul. Oh, à la vaisselle, mon gars, il est pris de ouf. Ah, je voyais un petit point rouge clignoté, c'est en fait c'est ma caméra. Non, c'est juste ma. Et là, on voit une limon. Ok, ça y est. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Thank you.
Dis surtout pas bonjour. Donc là, on est là pour une petite vidéo urbex. Donc c'est parti. Ah, ça, là, on va monter sur le toit à l'aide d'une échelle. J'ai la culotte qui mouille actuellement. Hein. Fuck. Oh, gros, l'échelle, elle bouge, la putain de ta mère. La putain de ta mère, elle bouge. Vas-y, monte. Merde, quel con. Ah, peut-être qu'on va voir un rat. Attends, donc là, on est sous le toit en fait, les gars. Là, on est sur le toit, et là... Viens, moi. Tu vas monter. Oh putain, on va voir. Jaja et Dina, vous êtes là. C'est pas le bordel, gros. Ok, donc là, on entre dans l'urbex. Oh, il y avait une alarme incendie avant. La chambre numéro 2. Ouais, t'en as jamais été dedans, c'est bloqué. La chambre numéro 2. Oui, il y a un truc bloqué là. Il est 5h, dans un petit village à une quarantaine de kilomètres de Paris, l'adjudant Sergi et ses collègues se rendent sur le lieu du crime. Gendarmerie ! Ça peut être sa mère, ça. Regarde. C'était... Ok, laissez-moi faire. Là-bas, qu'il est 6h du matin, ouvrez s'il vous plaît. Attention derrière. Ah non, y a pas de... Dans 3 secondes, je défonce la porte. Elle est déjà ouverte. Super, monsieur. Fais gaffe. Vent, cuisinière et cœur. Non, casse pas les murs. Putain, non, y'a quelqu'un. Je garde ça au cas où pour lui faire la gendarmerie dans sa gueule. Il y a quelqu'un, les gars. Mais non, arrête. Quelques minutes après, une voiture se gare. On était sur le toit et dans la panique, nous sommes descendus par une pied. Les gars, c'est une voiture qui nous a calé. Putain, on fait comment? Il y a une caisse là-bas, fuck. On est des pompiers, on a fait une formation de 5 ans. Vas-y. Fuck. On s'est fait repérer, les gars. On va se faire défoncer. Vite. Je suis en train de pleurer. Je suis défoncé là. Plan numéro 6, cible. Pour la passer l'entrée. Il y a des marches ici. Non, c'est mon bâton. Donc là, il y a une pièce. Donc les gars ils sont là-bas, ils m'attendent. Ouais, t'inquiète, vas-y. Je vous rejoins. Je sais pas si je veux faire toutes les pièces, que je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Donc ça, je sais pas si c'est. Ouais, bon, en fait c'est des pièces quoi. Mais bon, donc, comment faire visiter parce que j'ai pas fait 3 heures pour rien. Hein. Bon, dans le mur. D'accord, ouais, c'était des pièces. Mais ouais, ça va quoi. Ok. Donc là il y a la queue, c'est sa vidéo. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la description quoi, je vous ai dit. Blems qui est là. La Blems. Ok. Okay.
Attends, est-ce que j'ai vu une lumière au fond là-bas? Hein? Ouais, non, mais j'ai vu une lumière au fond. Enfin, je sais pas si c'est. C'est peut-être des reflets, je sais pas. Mais j'ai vu une lumière au fond, je sais pas si je l'ai filmé. C'est l'air comme je l'ai. Bon, voilà, là c'est la pièce. Donc la fameuse barre de fer, hein, mais bon. Comme je vous ai dit, j'espère qu'on va pas l'utiliser. Ça serait dommage. Parce qu'on est là, on est cool, on fait rien. Voilà. Personne. Donc, là, on va faire juste ce bâtiment-là. Et puis, je ferai d'autres urbex deux jours pour vous montrer le reste. Donc, regardez ça. Les marches sont complètement détruites. Si on peut aller là-haut. Oh, putain, j'ai flippé sa mère. C'est plus vert quelque chose. Bon. Une branche au milieu. Ah oui, regardez ça. Un ascenseur. C'est pas bon, ça. Eh, les gars, il était ouvert tout à l'heure. Hein? Sure.